Bonjour. Bonjour. Bonjour Karine. Tu étais la première ce matin. Bonjour Amina, la deuxième. Bienvenue à la méditation du matin. Et puis j'ai découvert. Bonjour Marilyn. Bonjour, bonjour. Qu'en fait, je pouvais mettre l'application de Mathieu Ricard sur l'ordinateur. Donc du coup, le temps que tout le monde arrive, je vais vous montrer en fait ce que vous pourriez aussi. Vous voyez ? Hop, on avait plein de paillettes. Et donc, par exemple, donc sur l'onglet méditation, vous avez plusieurs onglets. Vous voyez, avec les. Et par exemple, quand on est sur Mathieu Ricard, ça que moi. Ce que je voyais, mais que je pensais qui apparaissait sur mon écran, mais que vous ne voyez pas, c'était comment méditer, par exemple. Et du coup, quand vous allez dans l'application, en fait, vous voyez Mathieu Ricard qui vous parle. Voilà, je vous montre en même temps. Salut Thierry, vous voyez. Et donc on voit, ça s'est arrêté là, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Tout d'abord, vous voyez, c'est un nombre de préliminaires. Ça faisait comme ça. Donc moi, c'est la petite image que je voyais en haut. Et donc, chaque fois Mathieu Ricard, on le voit en fait comme ça sur l'application. Hein, c'est pour ça qu'à chaque fois, il y a une petite vidéo. Ah, ben voilà Véro. Salut. Et donc moi, je vais. Donc il y a plusieurs onglets. Donc il y a même des musiques hein, aussi. Et puis donc moi, aujourd'hui, je vais aller dans tous les cours. Là, je vois ce que je vois sur l'application. Je vais donc aller méditer jour après jour de Charles Hastings. Je vous raconte tout comme ça si vous cherchez. Et donc, je vais aller sur les fondements de la méditation de Charles Hastings. Voilà. Et on peut aussi trouver, par exemple, les auteurs. Donc, par exemple, dans les auteurs, donc, vous avez donc, Mathieu Ricard, Alain Ballas, Charles Hastings, bonjour Émilie, la grande pianiste est Maria Joëlle Pires, et puis donc celle qui fait les enfants, c'est Dominique Butet. Et donc, pour Charles Hastings, par exemple, si vous voulez voir sa petite tête, voilà, Charles Hastings. Et donc Charles Hastings, il pratique la méditation depuis l'âge de 17 ans. Et puis maintenant, je ne sais pas, il est au moins 60, 65 ans, je ne sais pas si on nous dit. Et en partage ses connaissances depuis plus de 20 ans. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est mis très tôt à la méditation. Et ses cours, procèdent en douceur, on peut dire ça, hein, par étapes clairement expliquées. Il se base sur ce que chacun peut découvrir directement, sans recours à des connaissances préalables ou à des croyances particulières. Il insiste sur le fait que développer la stabilité de la pleine conscience et cultiver l'amour de la compassion doivent aller de pair et propose des méthodes pour vivre autrement toutes sortes de situations, même difficiles. Et ce qu'ils disent encore sur lui, son approche est résolument séculaire, jamais loin du vécu de chacun, ses explications claires et pédagogiques sont particulièrement accessibles pour les débutants. Sa chaleur humaine et le fait qu'il relie les méditations à tous les aspects de la vie ont inspiré et encouragé des pratiques de tous niveaux. Charles a étudié les langues orientales à l'université de Cambridge, guidé par des maîtres du plus haut niveau comme Gangur Rinpoche, Dilego Kientese Rinpoche et Dukijom Rinpoche. Vous connaissez tous ces gens-là. Charles a passé 8 ans en retraite contemplative, 8 ans quand même. Hein. Depuis, il participe à la traduction de textes anciens du tibétain. Il est ami de très longue date de Mathieu Ricard, dont il a traduit 2 livres. Ah, aussi, vous voyez. Charles a aussi travaillé dans l'édition, le commerce et l'éducation, et il est père de famille. D'origine anglaise, Charles vit en France, il est à l'aise en anglais et en français, et répond dans les 2 langues aux questions concernant la pratique.
Voilà, pour le, quand j'ai trouvé ça hier soir. Donc l'application, je ne sais pas pour les autres, peut-être aussi, hein, mais donc du coup, c'est plus facile même pour moi, vous voyez, plutôt que d'aller chercher à chaque fois sur le téléphone. Bonjour ma mail courrier. Et donc vous voyez, c'est plus facile, et puis comme ça, je suis sûre que ça ne coupe pas avec vous. Voilà, donc il vaut mieux tard que jamais, hein. J'ai découvert ça hier soir, par hasard, en faisant mes montages vidéo, à une heure certaine, et tout d'un coup, je veux taper quelque chose. Ah bah, c'est grâce à Charles Hastings, en fait, parce que je tape Charles Hastings et je cherchais quelque chose, et puis en fait, je tombe Imagine Clarity, et puis j'arrive sur ça, et puis en fait, bah, je pouvais, avec mes codes, donc ouvrir Imagine Clarity. Donc, on va continuer notre petit thème, donc d'apprivoiser l'esprit. Donc, on a fait remarquer la texture de l'esprit, s'asseoir, et donc là, on va entrer en méditation. Voilà. Vous avez peut-être un petit truc à me demander sur cette application. Et du coup, bah, comme c'était très tard, je voulais aussi envoyer un message pour savoir si vous pourriez avoir un essai, je ne sais pas. Et puis après, j'ai fait autre chose et j'ai oublié. Voilà, c'est tombé dans les oubliettes. Donc, j'ai toujours pas demandé. Bonjour Sosie. Bonjour Happiness. Voilà, voilà. Donc, j'espère que vous restez avec moi. Ouais, vous restez avec moi tous. Et que ces petites explications sur Charles. Alors, si vous avez envie, demain, vous me direz que je vous parle, enfin, petit peut-être résumé qu'ils font de Mathieu Ricard. Et le troisième, Alain Vallas, en fait. J'ai cru qu'on a, hier j'avais dit on n'a pas fait. Merci, merci Mimikoya. J'avais pas fait j'ai cru qu'on n'avait pas fait une fois avec Alain Vallas, mais en fait un dimanche si. C'est comme c'est lui, c'est toujours 20 minutes. On avait fait. Merci mon Émilie. On avait fait on avait fait Mathieu Ricard et derrière Alain Vallas. Donc, et d'ailleurs il est resté, je crois, sur Instagram. Voilà, donc on a déjà aussi entendu Alain Vallas. Merci pour tous les petits cœurs. Donc, entrer en méditation. Donc, c'est le troisième volet, hein, dans l'ordre. Et il y a un tout petit texte là. Bien que la méditation que nous pratiquons en ce moment soit simple, elle peut entraîner une transformation majeure de notre esprit. Le but ultime de cette transformation est le bien-être des autres. La direction que nous donnons à notre méditation, dès le début, est importante. Vous voyez, là, c'est comme toute formation, quoi. C'est vrai que le départ, bon, parfois part mal, mais c'est pas grave, on se rattrape. Hein. Mais là, en l'occurrence, apparemment, on peut être vraiment tout de suite sur le bon chemin. Eh bien, donc là, voilà la jolie image que je vois. Vous voyez, comme ça, je peux vous montrer, en plus, c'est sympa. Moi, je suis toute contente, hein. Et voilà, c'est une petite joie. Et d'ailleurs, après... Ça sera peut-être pas une petite joie. Attendez, je vais juste remettre pour entendre le petit son de la cloche. Mais ce sera pas forcément. Je veux pas le dire maintenant, je dirai après. Parce que Marie est là et je me tiens de lui dire quelque chose, mais qui sera pas forcément très joyeux. Voilà. Mais qu'il faut que je dise et puis que ça me tient à cœur. Je sais pas comment lui faire un petit post. Voilà. Enfin bref, voilà, je dirai ça après. J'en ai trop dit ou pas assez, hein. Bonjour, nous sommes en train d'établir les bonnes bases pour notre pratique de la pleine conscience. Nous avons franchi la première étape en regardant en toute simplicité ce qui se passe dans notre esprit. Nous avons appris comment nous asseoir dans une posture qui nous amène à une harmonie intérieure. Maintenant, nous allons engendrer une attitude positive qui pourra nous propulser dans le sens que nous voulons. Nous allons définir le caractère de notre projet afin qu'il corresponde réellement à nos intentions profondes. Malgré l'apparente simplicité de ce que nous faisons à présent, ce projet est assez vaste et peut nous amener à une transformation radicale de notre esprit. Mathieu dit, la transformation personnelle doit nous aider à passer de la confusion à la connaissance
de l'esclavage à la liberté intérieure, son but est d'accomplir le bien d'autrui. C'est ça notre projet. Pour le mettre en œuvre, la première chose à faire est d'avoir confiance en soi-même. Devenir son propre ami est très important. Nous nous faisons déjà du bien en méditant et nous pouvons considérer que nous-mêmes, tels que nous sommes, avons parfaitement la capacité d'aborder un tel projet. Nous n'avons pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Nous n'avons pas besoin d'être meilleurs que nous ne sommes. Si, à présent, notre méditation nous semble plutôt anarchique, ça veut dire que nous sommes réellement en contact avec notre propre esprit, ce qui est très bien. Il est important de nous accepter de façon, on dirait, non dualiste, tel que nous sommes, ni parfait, ni complètement imparfait, mais surtout avec un potentiel de transformation. En nous acceptant pleinement, nous arrivons plus facilement à nous ouvrir aux autres. Traditionnellement, quand nous méditons, il y a trois phases. Au début, il y a la motivation. Nous pensons, cette pratique que je vais faire sera non seulement pour mon propre bien, mais pour le bien de tous les êtres, non seulement pour tous les êtres humains, mais pour tous les êtres sans limite, de toute espèce, partout où ils se trouvent. La deuxième phase consiste tout simplement à pratiquer la méditation avec un maximum de concentration, sans doute compliqué concernant ce que nous faisons et sans espoir exagéré d'expérience extraordinaire. Pour la troisième phase, à la fin de la méditation, nous dédions ces bienfaits au bien de tous les êtres. Il est dit qu'en scellant ainsi les bienfaits de la pratique, nous les rendons indestructibles. Pour commencer, adoptons la même posture qu'hier, avec le dos bien droit. Ayons une attitude positive, pleine de confiance et de bienveillance, en considérant que nous sommes capables de transformer notre esprit pour apporter du bien à tous les êtres sans aucune limite. Quand la cloche sonnera, essayons d'être aussi présents que possible. Soyons conscients de ce qui se passe dans notre esprit. Quand nous nous égarons, revenons au moment présent.
nous émergeons doucement de la méditation. Maintenant, dédions les effets positifs de notre pratique au bien de tous les êtres. Essayez de retrouver cette attitude positive autant que possible. Demain, nous allons regarder d'un peu plus près ce qui se passe dans notre esprit. J'aurais pu vous montrer Mathieu Ricard, peut-être du coup je vous remontrerai quelques petits extraits. En tout cas, j'espère que cette application vous plaît aussi. Alors normalement, il y a Thierry qui est là, et puis il y a notre, certains le connaissent, mon Carl, mon grand Carlito, qui est là aussi, qui me disait l'autre fois qu'il participait, et puis en fait je lui dis, bah, manifeste-toi, merci Amina, qu'on sache voilà aussi qu'il y a plusieurs garçons qui participent avec nous, donc normalement il doit le faire. Et donc j'espère oui, que cette application elle vous plaît aussi et que peut-être ça vous donnera envie. Mais voyez, c'est plus peut-être plus, je ne vais pas dire plus profond, mais on s'approche plus de la. Pas, j'aime pas dire véritable non plus, quoi, mais il y a ces temps, parce que théoriquement, après, on doit être capable de pouvoir méditer tout seul et sans rien autour, quoi. J'aime beaucoup, c'est apaisant. Ah, merci beaucoup, Fleur. Mais c'est vrai. Et puis, je trouve que son. Enfin, quand on lit, c'est pour ça que je tenais à vous lire un petit peu avant son parcours, parce que ça peut être intéressant, justement, dans la façon dont il nous amène les choses. Et donc, Marilyn, comme je disais, je lui dis là, parce que des fois, c'est vrai que ces deux, trois derniers jours, moi, je reste toujours positive, hein, mais j'ai pas forcément une tête très. J'ai une tête fatiguée. Bon, peut-être parce que je suis fatiguée aussi. Hein. Merci Amina. Mais c'est vrai que il faut, et c'est pas pour ça que, parce que ce que je vais dire doit forcément gâcher les vies ou les journées, et c'est au contraire pour vous encourager à profiter de chaque moment de vos vies. Et donc Marilyn, en fait, elle a, c'est quelqu'un dont elle a eu les enfants à l'école. Merci Windsurf, merci, belle journée. Et donc c'est quelqu'un qui nous a quittés en fait mardi, Myriam Ledoux, qui était un petit peu plus jeune que moi, et qui avait un cancer du sein. Merci, merci Karine, merci pour ce moment. Et donc malgré que ce soit, vous voyez, parce que c'est vrai que le cancer du sein, on a tendance à dire bon, que ça soigne facilement, qu'on s'en sort. J'ai d'autres adhérentes hein, qui en ont eu, qui étaient plus jeunes, moins jeunes, d'autres cancers, même de l'utérus, une dame. Pharmacienne qui s'en est très bien sortie, c'était vraiment incroyable. Mais c'est vrai que Myriam, en fait, elle avait. C'était la, je ne sais pas quelle était la faille en elle pour emmener vers ça. Peut-être qu'il y a des failles qu'on ne connaissait pas. Mais c'était quelqu'un qui avait la joie de vivre, qui était toujours positive, qui avait l'air bien dans sa vie, bien dans son couple, qui mangeait bien, qui ne fumait pas, qui ne buvait pas. Et puis, ben, on l'a vu il y a 6 mois. Pauline l'avait aussi rencontrée, moi je l'avais téléphoné. Puis tout avait l'air d'aller bien, d'après ce qu'elle disait, ça allait bien. Et puis donc Coco, donc une amie qu'on a en commun, la voyait beaucoup plus souvent. Et puis moi, avec tous ces changements au niveau du club, merci beaucoup, mamie, ouais, ça fait du bien, mais merci beaucoup. Et c'est vrai que du coup, ben, vous voyez, vous prenez moins le temps de voir les gens, enfin de les appeler. Et puis en fait, ben, elle disait que ça allait bien, mais en fait les traitements, elle allait traitement en traitement et ça n'allait pas. Donc voilà Marine, je suis désolée de t'annoncer cette nouvelle, mais j'y tenais. Mais c'est en même temps, je le partage avec vous pour vous dire ben voilà, qu'il faut arrêter de s'embêter avec des petites choses. Faisons des choses comme on vient de faire ce matin. Et puis son mot, ça a été de dire qu'elle avait eu une belle vie. Voilà, donc vous voyez, elle avait tout juste 50 ans, mais elle avait eu une belle vie.
Bon, excusez mon émotion, mais je vais vous laisser. Et puis, voilà, merci beaucoup, Amina. Mais il faut se servir, je pense, d'elle pour aller de l'avant. Voilà, je vous laisse. Bye bye. Passez une bonne journée.